Was it your team that poisoned Navalny, please? Я знаю, кто хотел меня убить. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrianarisoa. Aujourd'hui, des agents pas si secrets. Un consortium de médias étrangers a mené une enquête inédite pour identifier le commando responsable de l'empoisonnement d'Alexei Navalny, opposant numéro 1 à Poutine. On vous explique. Le KGB, ça n'est vraiment plus ce que c'était. D'ailleurs, on dit FSB maintenant, mais peu importe, ils sont une quinzaine d'espions dans le viseur de cette enquête journalistique hors norme et ont désormais des caméras de télévision à leur porte. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors d'abord, on va voir que c'est une faillite incroyable des services secrets russes, quelque chose de sans précédent. On apprend donc qu'ils ont tenté d'empoisonner l'été dernier le principal opposant au pouvoir et qu'ils l'ont raté, mais le pire pour eux, c'est qu'ils se sont donc tous fait démasquer. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrianarisoa.